Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve une vidéo pour un opening de 35 mâles du chaos lumineuse. Alors ces 35 mâles, on va pas les ouvrir avec le même personnage mais on va les ouvrir avec tous mes rerolls qui en ont au fur et à mesure du jeu collecté de temps en temps 5. Alors on va commencer avec le premier personnage qui en a 5, vous avez vu il n'en a jamais ouvert. Donc on va voir si en les ouvrant 5 par 5, on a une chance d'avoir quelque chose d'intéressant dedans ou pas. Donc c'est parti pour le premier personnage. Donc 450 glimes, 60 coquillages, 150 œils, 75 bois enchantés et 150 minerais de formicite. On passe immédiatement au deuxième personnage. Alors le deuxième personnage il en a 5 aussi, donc on va continuer notre expérience. 150 œils de Cthulhu bleu, une monture cupcake à Johan. Donc celle-là je la connaissais pas, elle n'est pas échangeable et elle n'est pas dans ma collection. Donc bon, c'est dommage qu'elle tombe sur les rerolls. 750 flux, 150 fourrage pour monture et 450 glim. Donc on va voir de suite à quoi ressemble cette monture cupcake à Johan qu'on peut avoir donc dans les mâles de chaos lumineuses. Donc hop, la voilà, on l'a pris. On va voir à quoi elle ressemble. Elle est ici. Donc à mon avis, voilà, c'est un cupcake sur lequel on peut rebondir. C'est une balle rebondissante. Bon, on va passer directement au troisième personnage, voir ce qui va looter d'intéressant. Le prochain personnage a lui 10 mâles de chaos lumineuses. Donc on va tester, voir ce qu'on obtient. 150 quartiers de champignons. Une monture Billy la Belette. Billy la Belette qui est non échangeable. On va voir à quoi elle ressemble. Un œil de Cthulhu. Des ailes Floribrise. Donc ça je crois que c'est pas échangeable non plus. Mais vous voyez dans 5 openings de coffre, là on a eu beaucoup de chance. On a obtenu des ailes et une monture. On continue, 450 glimes, 150 éclats glaciales et 150 œils de Cthulhu. Donc on va apprendre Billy la Belette, qui est déjà dans notre collection, et les ailes Floribrise, donc qu'on a déjà collectées. Donc voilà, c'est des ailes apparemment qu'on peut collecter ailleurs que dans ces coffres. Floribrise, donc elles sont là. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble à ça. Hop. Et on va voir la monture qui est Billy la Belette. Donc on va voir de suite à quoi elle ressemble. Billy la Belette qui est une monture en fait chaotique. Donc vous voyez, vous pouvez looter toutes sortes de montures dans ces mâles qui sont pas échangeables. Donc voilà Billy la Belette. Donc ok, passons au personnage suivant. Le prochain personnage a lui aussi 5 mâles de chaos lumineuses. Donc on va les ouvrir de suite ensemble. Donc 750 flux, 75 cupcakes, 75 flammes primordiales, 150 œils de Cthulhu et 150 œils de Cthulhu. Donc voilà, on n'a rien looté. Passons au personnage suivant. Donc le prochain personnage a lui aussi 5 mâles de chaos lumineuses. Donc on va voir ce qu'elles contiennent immédiatement. 75 cupcakes, 150 œils de Cthulhu, 750 flux, 750 flux et 75 bouteilles. Donc autant dire pas grand chose. Passons au personnage suivant. Donc voici notre dernier personnage qui contient lui aussi 5 mâles du chaos lumineuses. On va voir ce qu'on obtient à l'intérieur. 75 poussière féerique, 450 glim, 150 œils de Cthulhu, 150 œils de Cthulhu et attention, 75 icores poisseux. Voilà, donc vous avez vu dans 5 mâles, lorsque vous réussissez un challenge, vous avez très très peu de chances d'obtenir des choses rares. Vous pouvez avoir des montures mais qui existent déjà, que vous pouvez collecter d'une autre façon. Donc voilà, voilà, ces challenges, je vous rappelle, vous pouvez, c'est les concours hebdomadaires, donc vous pouvez recevoir des mâles lumineuses avec certains concours. Donc ici, vous pouvez en obtenir 5 en extrayant de l'infinium. J'en ai vu encore 5 autres ici en tuant
à un maximum d'ennemis cette semaine et vous pouvez les obtenir aussi deux par deux lorsque vous êtes dans les 100 premiers, je crois, des tueurs de mobs, des donjons, oui, le nom m'échappe, des tours de l'ombre, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous découragera à vous dire je tente les challenges cette semaine parce que c'est complètement impossible. C'est réservé je pense aux joueurs vraiment high level, ceux qui font les tours de l'ombre super rapidement chaque semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.